Hey, salut à tous, ici NightmareFR95. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Need for Speed. Donc voilà, donc on va découvrir Need for Speed ensemble. Donc j'ai l'abonnement EA Access, ce qui fait que j'ai le droit à 10 heures de jeu sur Need for Speed en avant-première avant sa sortie le 5. Donc on va découvrir tout ça. Donc c'est parti. Donc allez, on va presser A. Voilà. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, donc Need for Speed, ça va être un des rares jeux que je vais vous proposer du gameplay, qui n'a rien à voir avec le multi. Bon, peut-être que je vais faire des parties en multi, on va voir, je ne sais pas encore comment ça se passe en multi. Comme je vous ai déjà dit, je vais sûrement faire des petits délires avec Nightmare 78. Donc voilà, donc là c'est vraiment pour la vidéo, pour le test, donc c'est quand même une licence, je suis dessus depuis le début. Donc je pouvais pas passer à côté. Donc voilà, donc c'est pour ça que celui-là, je tiens à vous le proposer, à vous proposer des phases de jeu. Je vais vous faire régulièrement des vidéos. Donc là, je vais faire vraiment la vidéo de présentation. Je ne vais pas m'attarder non plus sur le jeu pendant 10 heures. Ça, c'est sûr, parce que sinon, ça va gâcher tout le jeu. Comme je vais l'acheter, donc je vais rester à faire une petite phase de jeu découverte. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Jouer. Donc voilà, on va voir tout ça. J'ai pu voir un petit peu juste avant tout ce qui est cinématique, donc par rapport au trailer. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que tout ce qui est cinématique, c'est du réel. C'est des vraies personnes. Ça fait un peu film, théâtre. Parce que forcément, ça fait penser au film, mais vu qu'ils vous parlent à vous, les acteurs, donc forcément, ça fait un peu théâtre. Moi, je trouve ça sympa, personnellement. On va découvrir ça. Donc là, je vais pas vous faire des comme sur pareil qu'à l'eau, hein, pas vous faire des coupures. On va laisser vraiment purement le jeu se dérouler. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, donc très intéressant la configuration de la manette. Donc voilà. Donc en attendant que ça charge, hein, ça va charger normalement assez vite vers la fin. Donc comme je vous avais pu voir, j'ai commencé à l'eau. Donc voilà, donc il y aura des phases de jeu d'Halo. On attend Black Ops 3 aussi. Donc voilà, donc on va découvrir le jeu. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est des vraies personnes, c'est du réel des cinématiques. Hein. Donc voilà, donc j'ai pu tester un petit peu avant, juste aller d'un point à un autre. Mais comme j'ai mon enregistrement qui a bugué, donc j'ai pas pu vous faire voir, donc je sais pas ce que. Je pense que je vous ferai pas voir avec une vidéo commentée par-dessus. Là, c'est vraiment du direct, comme je vais faire comme le principe de ma chaîne. Je vous enregistre en direct, je joue, je suis en face de vous. Donc voilà, attention. Bon, en espérant bien entendu que ça soit pas énormément de blabla, qu'on ait quand même pas mal de phases de jeu. Comme par exemple tous ceux qui ont fait BF Hardline, je pense que vous avez pu voir que pendant le solo, il y a énormément de cinématiques. Les phases de jeu sont présentes, mais pas beaucoup, je trouve. Donc voilà, donc j'espère que là vraiment, comme c'est le tout début du jeu, on commence. Donc par exemple, je ne vous proposerai pas, on se rappelle tous de Assassin's Creed le premier. Donc avant de jouer, il fallait attendre un petit moment quand même. Hein. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, le gameplay a un peu buggé donc juste avant. Donc j'avais sélectionné une Mustang. Donc voilà, donc je suis fan de Muscle Car, donc j'ai choisi la Mustang. Il y avait le choix entre la Mustang, une Subaru et une Honda Civic. Donc voilà, c'est parti, on va voir un peu ça. Bon là ça fait un petit peu petite balade hein, tranquille. Voilà, donc quand on découvre hein, le jeu, forcément, je pense qu'il va y avoir un petit peu de frottement. Ah, il est rapide lui, hein.
peut pas passer la bordure comme ça. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment aller d'un point à un autre. Donc j'espère que ça va pas être ça toute la vidéo, parce que sinon, je vais pas vous la proposer. Hein. J'essaierai de voir s'il y a des phases de jeu plus tard. J'espère vraiment que ça va se mettre en route, quoi. Ah, sympathique, sa coupe de cheveux. Pas le gars, là. J'aimerais bien justement faire voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Faire quelques courses. Alors, hop là, voilà. On va pas se faire un taxi dès le début, hein. Donc, par contre, hein, comme d'hab, hein, les petites informations qui s'affichent à l'écran, qui se mettent sur tout l'écran. C'est pas évident. Bon, bah voilà, donc pour l'instant, hein, c'est. On roule en haut. Donc en termes de maniabilité, franchement, c'est. Ouais, c'est sympa, hein, ça change pas grand chose. Et après, en termes de décor, pour l'instant, je suis pas en extase, hein. C'est sympa, c'est coloré, mais pour l'instant, voilà les petites informations qui vont bien. Donc, du coup, on a raté la route, évidemment. Hop là. Donc voilà, donc Need for Speed. Une licence que je kiffe vraiment. Par contre, s'il vous plaît, les gars, arrêtez de nous mettre des informations au milieu de l'écran, quoi. Surtout en plein virage, ça perturbe un peu. Hein. Je veux bien, c'est le début, ils nous annoncent un petit peu comment faire les choses, ce qui se passe. Mais là, j'avoue que plein milieu de l'écran comme ça. Donc oui, donc ça a l'air d'être pareil, point de réputation par rapport à dans le fonctionnement, un peu dans le dernier Need for Speed. Enfin, le dernier, non, puisque c'était Rivals, mais celui d'avant. Et donc, je pense que ça va être assez sympathique. Hein. Donc, voilà, on est au garage, hein, pas de surprise. Voilà, on peut pas passer cinématique, donc... Découvre.
Bon, comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de blabla. Faire ce qu'elle dit, hein, on va pas chercher la merde avec elle. Hein. Bon, ce que je kifferais, c'est pouvoir repeindre un peu la voiture quand même. Acheter voiture, acheter voiture, acheter voiture. Ouais. Ah, bah voilà. Personnalisation visuelle. Ouais, donc ça c'est pour hop. De pare-choc c'est débloqué. Ouais, on va se faire. Tant qu'à faire, on va. Alors, capot, qu'est-ce qu'il nous propose? Allez, on va se faire celui-là aussi. Voilà, donc ouais, ça a l'air d'être sympa quoi. Alors les vitres, d'accord, on peut régler la teinte. On va faire du noir en tant qu'à faire. Donc ça va, ça a l'air d'être quand même assez sympa. Hein. Il y a quand même pas mal de trucs. La façon dont c'est fait, c'est un peu perturbant au début, mais ça a l'air de promettre. Donc maintenant, on va essayer de passer à la peinture. Est-ce qu'il y a de la peinture? Voilà. Peinture à habillage. Modifier de peinture à habillage, vinyle. Voilà. Pas que j'aime pas, mais bon. Je suis pas trop fan du rouge. Ah, voilà. Par contre, c'est dommage, on peut pas voir le rendu, on peut pas tourner autour de la voiture. Allez, on va se faire un petit verre comme ça. Bon, les vinyles, on va oublier, je suis pas trop trop fan de vinyle. Hop. Voilà, un petit verre sympathique. Donc on a quoi encore? Réglage et comportement, personnalisation performance. Performance, on va voir. Tant qu'à faire, on va acheter. Hein. Petit collecteur d'admission, on peut pas. Hop, ça refait l'alimentation. Donc voilà, donc je pense que ça suffit. On va aller voir ce qui va se passer. Quoique je la trouve pas assez voyante, hein, la voiture. Hein. Moi, je sais, hein, c'est pas non plus très intéressant, mais bon. Peut-être me faire un jaune, ouais, un jaune bien voyant, ça, je pense que ça va être sympa. On va essayer de se faire un beau petit jaune. Allez, hop. Ah ouais, je suis pas vraiment fan de ce système là, de. C'est pas vraiment du mal à avoir un beau rendu hein, quand même. Ah, on est dans le jaune. Ah, voilà. Allez, c'est fait.
Hop, sauvegarder, s'il faut sauvegarder à chaque fois, c'est chiant. Voilà, petit jeune voyant. Bon, je pense qu'on va pouvoir aller tester enfin une vraie course. J'ai l'impression que mon jaune fait un peu vert pomme. D'accord, donc hop, on a un autre joueur juste ici. On va tester un peu, on va essayer de voir les donuts, hein. On va essayer de pas trop casser la voiture. Tant pis. Un appareil photo, donc est-ce que c'est les radars comme avant ou c'est. Ok, donc on s'en fiche pour l'instant. Donc là, on va prendre des petites ruelles. Je pense qu'on va mettre le GPS. Ça va être peut-être plus sympa pour s'y retrouver. Alors, hop. Donc voilà, donc on a pu voir qu'on voit les autres joueurs sur la map, donc c'est vraiment le principe de Need for Speed, en espérant que ça passe pas comme, comme les autres quoi. C'est-à-dire qu'il y a des connexions, t'es en train de jouer et puis tout d'un coup t'as une déconnexion du serveur. Ce serait franchement dommage. Alors, c'est par là. Ah, quand c'était trompé de route. Bon, pas terrible, hein. Petit burn pour faire demi-tour. Donc oui, donc très important quand vous conduisez donc une grosse voiture style comme celle-ci, Ford Mustang, essayez de rouler à contresens, c'est important. Non, ne faites pas comme dans le jeu, roulez normalement. Alors, j'ai juste une chose à faire que j'ai oublié, qui est importante. Alors, oui. Ouais. Voilà. C'est ça que je voulais. Paramètres, voilà. Paramètres audio. Voilà. J'avais oublié d'enlever la musique. Bon. J'ai pas trop compris, hein, ce qui s'est passé. Ce qui s'était passé, mais bon. Alors. Alors, voilà la sortie de garage qu'on a déjà vue. Hein, donc, excusez-moi pour ce petit bug. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Ah non! Ouf! Donc la carte. Donc Spike sur circuit, allez on va se faire celle-ci, hein, elle est juste à côté. Oula, à échapper à la mort, hein, les gars. Hop. Donc je coupe par les trottoirs. Hein. Et je vous rassure, je ne fais pas ça dans la vraie vie. Alors.
les petites informations qui vont bien en plein milieu de l'écran. Donc voilà, enfin ce qu'on attendait depuis le début, une petite course. Avec un petit bug, des lampadaires qui tombent, on ne sait pas comment. La petite information qui va bien au milieu de l'écran. Alors, on va essayer de gagner, hein, tant qu'à faire. Donc, on se concentre, hein. Je sais que vous pouvez le lire sur mon visage, la concentration extrême. Ah, par contre, le petit coup de frein, c'est direct, on se fait doubler. Hein. Et oui, te mets pas devant moi, petit. Voilà, donc on peut voir les points de réputation au-dessus. Alors, bien sûr, quand c'est comme ça, je fais ça. Donc, pour l'instant, les petits coups de frein, les dérapages, c'est assez contrôlable. Je voulais pas lui rentrer dedans, hein, non plus. C'était, croyez-moi, indépendant de ma volonté. Je pense que ça va être un peu difficile, un peu compliqué cette course. J'ai horreur d'arriver deuxième et encore moins troisième. J'espère franchement que je vais les redoubler. Hop là. Ouf, ouf, ouf. C'est bon, on est passé. On se fait du pognon, on est content. Donc voilà, on croise un autre joueur. Donc maintenant, donc là, c'est pas ça le jeu. Donc voilà, donc ça a l'air d'être. Alors on a fini une course, on en demande une, mais on va aller faire l'autre. Allez, c'est parti, on va aller se faire celui-là. Hop, hop. On a des kilomètres à faire, on y va. Donc 5 kilomètres. Bah écoutez, pour l'instant, voilà, il n'y a pas. Je suis pas transcendé non plus, mais ça fait plaisir de retrouver un petit Need for Speed. Mais bon, c'est vraiment le début, donc. Ah, ça y est. Et il y a les flics, on va aller les chercher un petit peu, on va les chauffer, on va voir ce qu'ils valent. Allez, c'est parti. Oups, c'est pas par là. Hop là. Est-ce qu'ils maîtrisent les dérapages? Non. Ouais, on va se faire un peu plaisir, hein. On va jouer avec les flics. Là, j'étais sur les rails, je pense pas que c'est par là qu'il fallait que j'aille. Ah, tu peux pas aller sur les rails, si? Bon, bah si, apparemment c'est là, c'est le chemin. Hop, on va laisser venir. Hop, salut! On va être beau joueur, hein, on va l'attendre quand même un petit peu. Hop, attention, moi je passe par là. Hop là!
Hop, on fait des petites feintes. Bon, ça drift en tout cas, hein, c'est sûr, vous avez pu entendre le bruit. Donc on a essayé de jouer, on a assez joué, on va essayer de le semer. Voilà. Bon, je pense que c'était juste le début, hein, parce que bon, il n'avait pas l'air très agressif comme flic. Hein. Hop là. Bon, j'espère que pour l'instant cette petite vidéo vous plaît. Certes, c'est pas non plus ce que je fais d'habitude comme vidéo, donc voilà, vous voyez plus concentré qu'autre chose. Et vous voyez rater des rues. Hop là, on a raté la sortie. Pom pom pom, donc voilà. Alors, message. Ça, ok. Des messages anonymes. Hop là. Alors. Vous pouvez entendre le bruit spécifique du drift. Un petit peu raté. Hein. Bon, enfin, nous arrivons à destination. Oui, il faut faire le tour. Donc, on peut voir que Nightmare FR 78 a déjà joué. On va commencer l'épreuve. Donc voilà, donc juste avant on a pu tester une course de sprint, maintenant on va se tester une course sur circuit. Donc la voiture est un peu dégueulasse quand même. Ah donc c'est une course au checkpoint, pas vraiment une course contre d'autres concurrents. Ah si. Ah, donc voilà, donc la maniabilité est quand même pas mal parce que là. Bien raté mon virage, j'ai pu récupérer sans trop de catastrophes. C'est dommage hein, qu'on puisse pas klaxonner, ça aurait été sympa de me klaxonner. Petite vanne en passant. On va pas trop faire les fous parce que il est quand même bien collé à notre derche. Hop là! Donc a priori, je pense que c'est une Subaru qu'il a vu. Bah, il s'envole un petit peu lui. Hop, on va essayer de le rattraper. Tout, 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 tout. Je joue un peu au chat et à la souris. Vous voyez, là, j'ai vraiment encore vu le virage au dernier moment. J'ai pu le prendre comme il faut. Donc, la prise en main, elle est quand même assez facile. Hop, on va le chatouiller un petit peu. Hein. Sinon, c'est pas marrant. Pour l'instant, moi je trouve ça assez agréable à jouer.
Après, je sais pas, bon, il y a quelque chose qui me bloque graphiquement dans un premier temps. Mais bon, c'est les premières impressions. Mais sinon, franchement, pour jouer, c'est agréable. Je suis désolé, hein, des fois j'ai vraiment des phases de concentration. Et comme je vous ai dit, j'aime pas arriver deuxième. Donc voilà, deuxième course. Je trouve qu'il y a un peu trop d'informations qui arrivent à l'écran quand même. Je suppose qu'il va nous appeler. Photo envoyée. Le mec ose te dire qu'il t'a connu en meilleure forme, quoi. Mec, tu viens du mettre quand même, on peut dire ce qui est, même si t'es pas royal, tu as mis quand même, et le mec il chauffe. Genre, t'étais un peu nul. Le diner. Ok, donc ça c'est juste pour retrouver les autres. Alors, je crois qu'il y avait. Ouais, l'autre a voulu refaire une course. Hop là, on a un autre joueur. On va aller faire celle-ci. Hop, on a les flics. Ah, on va se les faire. Allez, juste pour le plaisir. Voilà. Ça nous fera un petit peu de compagnie sur le chemin. C'est la rue, on va prendre l'autre. Bon, on a raté un appel, hein, forcément. Donc, contrairement à la vraie vie, dans Need for Speed, décrocher le téléphone au volant surtout. Bon, il n'aura pas suivi longtemps, hein, le flic, donc. Voilà, je vais s'amuser un petit peu, mais non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on teste un des petits trucs, hein. Je connais pas. Non, apparemment, il n'y a pas d'autre vue pour l'instant. N'inquiétez pas, hein. Il reste moins de 3 km à faire. Hop là, et on va s'en faire un, on va se mettre un peu de fun sur la roue. Ah ouais, quand même, ouais. Alors là, on a pu voir sur la carte en bas un petit rond. Donc je suppose que ça doit être. Il doit y avoir aussi des plans que quand on est poursuivi pour pouvoir baisser le niveau d'alerte plus rapidement. On a voulu tester un petit drift, hein, donc, ça a fini dans le mur. Ils aiment bien les rails. Donc voilà, donc on a vu machin chose à rejoindre votre jeu. Donc voilà, donc Need for Speed, il n'y a plus d'intimité, c'est pas possible. On n'est pas dans le bon sens. Hop, voilà. Donc on va se refaire une petite course. Donc elle avait un petit peu les boules quand on l'a battue juste avant, donc elle va refaire une course. Oula. On conduit comme ça, on va pas gagner. J'avoue que je suis l'habitude des noces et tout ça, donc
Attention, rien à voir avec les nonos. Donc, on va voir ça. Donc, la petite course qui va bien. Et je pense que ça sera la dernière pour cette vidéo. Alors. Moins de 2 km. Bon, ça va, il y a quand même une belle pilule. Ah, enfin le jour. On a pu tester un peu de drift. Donc voilà, donc une autre petite victoire. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo de présentation sur Need for Speed. Donc on a pu voir un peu les cinématiques, quelques courses, donc les phases de jeu. Donc voilà, donc je vous referai prochainement des vidéos sur ce jeu-là, donc dès qu'il sera sorti. Là, c'était vraiment pour vous le présenter en avant-première avant sa sortie. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez, à très bientôt. Ciao!